Égalité. Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour, merci. Je vous ai téléphoné pour parler de votre fille. Il a fait quelque chose de grave, c'est sûr. Elle s'est comportée mal à la maison et ici aussi. Tout calme. Ce n'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Votre fille... Elle fume? Elle s'est drôle? Non, mais... Elle vole de l'argent? Elle insulte les professeurs? Elle porte des vêtements trop serrés et courts? Elle va avoir un bébé! Ça suffit! Et alors? Silence! Je vais parler. Agnès est magnifique. Le problème n'est pas elle. Elle veut continuer ses études. Mais elle est déprimée parce qu'elle sait que vous ne le permettez pas. C'est normal, c'est une fille. Son frère, oui. Mais elle, elle ne va pas étudier. C'est une fille. Les femmes doivent être à la maison et cuisiner pour le mari et leur enfant. Un peu de sens commun. S'il vous plaît, je crois que vous devez laisser Agnès terminer ses études. Au moins, au lycée. Impossible! Mais c'est la meilleure de la classe. Mais alors, quand et comment elle va trouver un mari? Toi, raison. Quand? Écoutez, laissez-la finir uniquement le lycée et à 18 ans, elle peut trouver un mari. Laissez-nous réfléchir. D'accord. Mais à 18 ans, mariage. Égalité. Égalité.